Une de nos clientes, Soumaya, nous a posé cette question, à savoir comment promouvoir un événement comme un atelier pour avoir un maximum d'inscrits. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous partager aussi les conseils que je lui ai donnés. Je vais même rentrer dans un peu plus de détails parce que je sais que beaucoup de coachs aiment la partie événementielle, aiment le côté notamment présentiel, hein, même si ce qu'on va voir là, c'est valable aussi bien pour le présentiel que... Euh, le distanciel. Mais voilà, vous aimez cette euh, connexion et moi aussi. Par contre, il y a aimer le faire et il y a bien le faire et euh, j'espère vous apporter mes meilleurs conseils à travers euh, cette session. Alors, let's go. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'objectif avant d'entrer dans euh, les bonnes pratiques et puis bah, comment concrètement euh, promouvoir et les plateformes à promouvoir. La première chose à comprendre, c'est qu'il y a trois types de produits. Donc là, je vais parler d'événementiel, mais c'est valable pour euh, un livre, pour une petite formation, etc. Il y a le produit d'appel. Le produit d'appel, l'objectif de ce produit d'appel, c'est d'attirer des prospects qualifiés. Ce n'est pas de gagner de l'argent. C'est comment, euh, par exemple, un livre, typiquement, moi avec le livre Coach Prosper, hein, quand euh, vous l'achetez, euh, je gagne euh, presque rien. Par contre, si vous l'achetez, euh, je récupère votre email. Euh, parce que vous l'achetez sur mon site et en récupérant votre email, je peux garder contact avec vous, vous apporter de la valeur et vous donner envie de travailler avec nous. Voilà. Donc ça, c'est un produit d'appel. Le but, c'est pas en soi de gagner de l'argent. Euh, on n'en gagne pas et on en perd même euh, parfois, mais parce que je sais qu'un pourcentage des clients qui vont acheter ce produit d'appel vont devenir clients par la suite. Puis il y a des produits de, que moi j'appelle de rentabilisation, de rentabilité, bref, vous l'appelez comme vous voulez. Et l'idée, c'est vraiment de réaliser une marge bénéficiaire en incluant même notre temps. Là, vous organisez un atelier. Donc, dans le premier cas, par exemple, vous organisez un atelier à 27 euros pour 20 personnes, donc vous gagnez 500 euros. Mais entre la location de la salle et euh, les pauses, etc., ça vous coûte 500 euros, vous gagnez 0 euros. Et en plus, vous prenez un risque parce que vous n'allez pas remplir les 20 personnes. Les, forcément les 20 places, et puis en plus, vous, vous, vous ne facturez pas votre propre temps. Hein. Là, on parle juste des coûts euh, liés à l'événement. Dans le deuxième cas, c'est plutôt que de faire à 27 euros, vous faites quelque chose à 500 euros, vous prenez euh, 20 personnes, ça vous rapporte 10 000 euros. 10 000 euros, ça couvre peut-être vos frais de 2 000 euros, plus votre temps euh, que, que vous valorisez, admettons, à 2 000 euros, et vous faites un bénéfice de 6 000 euros. Et ça, c'est génial. Maintenant, vous comprenez bien que c'est beaucoup plus facile à vendre ça avant vendre ça. D'ailleurs, je recommande, à moins que vous ayez vraiment une grosse audience, mais vraiment quand j'ai une grosse audience, c'est genre vous êtes quasi Tony Robbins. J'exagère, mais à peine. Euh, je ne vous invite pas à rentrer dans cette voie-là. Ça ne marchera pas si vous avez une petite audience, parce qu'il n'y aura qu'un très faible pourcentage des gens qui vont voir votre offre, qui vont acheter. Donc si euh, vous partez du principe que... 0,01% des gens qui vont aller sur votre page de vente vont découvrir, euh, vont acheter. Si vous avez 100 personnes qui viennent sur votre site, vous n'allez même pas avoir euh, un acheteur. Il va vous falloir euh, 10 000, 100 000 visites pour avoir 10, 20, 30 personnes qui sont prêtes à payer 500 euros. J'exagère franchement, mais à peine. C'est juste pour que vous, vous compreniez. Et puis, il bah, y a aussi le fait d'avoir un produit, un événement inclus dans notre accompagnement. Et là, l'objectif, c'est de fidéliser. Okay euh, parce que les gens qui viennent, ils apprécient, il y a la partie communautaire, il y a le challenge, il y a l'énergie, et du coup, ça donne envie aux gens de re -signer. Évidemment, vous comprenez bien que les seuls objectifs ne sont pas d'ordre business et marketing. Je, comme là, c'est ma spécialité et que c'est euh, ce que j'ai envie de vous apporter, je reste sur cet aspect-là. L'objectif reste évidemment prioritairement d'aider les gens, euh, de leur apporter de la valeur, mais de toute façon, c'est une condition sine qua non. Vous n'allez jamais fidéliser si euh, euh, ce que vous faites durant la journée n'apporte pas de valeur. Vous n'allez jamais transformer des prospects en clients si ce que vous faites durant la journée n'a pas de valeur. Donc, pour moi, ça va de soi, mais bon, je le rappelle quand même. Donc, on part de là et let's go. On se dit, bon, comment on va promouvoir Alors, je sais que la tentation est grande de d'aller tout de suite dans le ok euh, comment on fait quelle plateforme j'utilise et on va y aller mais si je vous parle pas de ces bonnes pratiques vous allez euh, en fait euh, rien y faire c'est comme si je vous donnais un, un un outil et que je vous expliquais pas comment l'utiliser le pourquoi l'utiliser dans quel cas de l'utiliser voilà je vous donne une hache qu'est-ce que vous faites avec une hache alors je vais vous donner d'abord les bonnes pratiques et puis après on rentre dans euh, les euh, les plateformes la première chose que j'ai envie de vous dire c'est ne soyez pas timide ne soyez pas timide. Ne pas sous-estimer la difficulté de la tâche et ne pas se décourager pour autant. Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas une tactique que je recommande beaucoup à euh, mes, même mes clients. Mais je ne les décourage pas non plus de le faire parce qu'il y a un côté très encourageant. Et on va en parler après. Niveau mindset, bah voilà, je... Mes clients et vous, vous n'êtes pas juste des robots, je vais pas juste vous dire faites ci parce que ça marche et ne faites pas ça parce que ça ne marche pas, parce qu'il y a toute une notion émotionnelle, énergétique, motivationnelle qu'il ne faut pas euh, perdre de vue. Ne pas abandonner trop tôt. Beaucoup de gens se décident à la dernière minute. Et promouvoir l'événement comme si ça coûtait 10 fois plus cher que le prix de vente réel. Le risque, c'est quand vous vendez un produit d'appel à 17 euros, vous dites Bon, 17 euros, c'est pas cher, je vais vendre ça tranquillement, je vais envoyer deux emails, faire un post Instagram et ça va être rempli. Absolument pas. C'est une grosse, grosse erreur. Pourquoi Parce que ce qui coûte cher, c'est pas les 17 euros, ça c'est rien. Ce qui coûte cher, c'est de bloquer du temps. La partie logistique pour se déplacer, et puis euh, bah, la décision, en fait, c'est que si je vais à cet événement, je prends conscience et j'accepte et je me dis à moi-même que j'ai besoin d'aide, que j'ai un problème, que euh, j'ai besoin de soutien. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est difficile. Donc c'est extrêmement coûteux. Donc si vous faites une promotion, bah, comme j'ai que 10 places à 17 euros, je vais envoyer deux postes, ça va suffire. C'est totalement faux. Faux. Si vous, si vous voulez vendre 10 places à 17 euros, vendez-le comme si vous vendez à 100 personnes à 170 euros. Et là, ce niveau de challenge, vous allez me dire, waouh, c'est hyper difficile. Bah ouais, c'est difficile, c'est exigeant. Donc soit vous faites un atelier, et vous le faites à fond, soit vous ne le faites pas. C'est dur hein, de vous dire ça comme ça, mais voilà, je pense vous servir au mieux en vous disant ça. Persévérez, persévérez. La plupart des gens s'inscrivent, du coup, je les dis hein, au début, à la fin de la période de promotion. Donc en gardant ça en tête, n'abandonnez pas trop tôt. <coughs> Pardon. N'ayez pas de regrets en mode ah oh, j'aurais pu faire ça mais je l'ai pas fait. Oh j'aurais pu envoyer ça à mes amis mais je l'ai pas fait parce que je me dis que mes amis non 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 non. Et puis bah quand on se rend compte qu'on n'a pas rempli la salle, on se dit bah mince en fait j'aurais dû envoyer. Non, n'ayez pas de regrets. N'allez pas les mains dans les poches, ce sera long et difficile mais passionnant donc allez-y parlez-en à un maximum de gens. Acceptez que ce ne soit pas 100% ce que vous voulez tout en donnant tout pour que ça le soit. OK. Vous visez euh, 20 personnes à 27 euros. Bah, moi, je vais même vous dire un truc. Si vous êtes à 10 personnes et euh, il vous reste que 3 jours et que vous n'allez euh, peut-être pas vendre les 10 dernières places, bah, euh, offrez-les à des amis ou euh, voilà, trouvez un moyen euh, et ou euh, acceptez que vous n'aurez que 10 personnes. Et puis tant pis, vous faites un deuil dessus. Vos, votre idéal de 20, bah, tant pis en fait, euh, ce n'est pas grave, vous voyez. Le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et puis limiter les risques. Ça, c'est ce que je voulais aussi vous dire. Les risques émotionnels et financiers. Alors, financier ça va de soi. Je vous le dis quand même, pour un premier événement, si vous n'avez jamais fait ça et que vous n'avez pas de, de base sur laquelle vous comparez, n'investissez pas 500 euros dans les coûts. Okay vous voyez comment vous pouvez être le plus économe possible pour pas prendre de risques. Parce que voilà, vous savez pas ce que ça a donné. Mais j'ai envie de vous dire attention à la partie émotionnelle. Le risque, quand on lance des ateliers, c'est qu'on a un idéal, on est grave motivé, on n'atteint pas nos objectifs et on perd confiance. La partie un peu prudente, pardon, la partie un peu prudente euh, de ma personnalité aurait envie de vous dire, lancez pas d'ateliers parce que si ça marche pas, vous allez vous décourager et ce sera pas bon pour vous. Et la partie plus euh, rentre dedans, c'est bah allez-y. Et puis si vous visez 20 personnes et que vous ne retrouvez qu'à 3, bah tant pis, euh, ça va vous donner du courage. Mais ça, ça va dépendre de vous. Moi, je vous dis ça, mais je ne sais pas comment vous êtes. Est-ce que si vous visez 20 personnes et que vous avez 3 personnes, comment vous le vivez Parce que si vous êtes en mode je déprime après, ne faites pas l'atelier. Si vous êtes en mode OK, ça va me saouler, mais c'est quand même pas mal, c'est mieux que rien, bah allez-y. Okay? Mais prenez pas trop de risques émotionnels. Varier les approches pour ne pas ennuyer l'audience quand vous allez communiquer. Ok, on va rentrer dans le détail après. Ok, publier des photos et des vidéos pour promouvoir mmh. votre offre. Euh, Utilisez la partie rationnelle. Vous allez obtenir ça, ça, ça et la partie émotionnelle. Faites du storytelling. Parlez des bénéfices. Ok, alors pourquoi participer à cet atelier Ça vous permettre d'obtenir ça, ça. Versus, dans l'atelier, on va parler de ça, ça et ça. Donc. Jouez sur les différents tableaux parce que vous allez avoir des gens plus cerveau droit, plus cerveau gauche et ils vont euh, connecter différemment. Euh, jouez sur la partie urgence et rareté. Voilà, prenez votre place avant telle date parce qu'il euh, y a un tarif Early Bird qui va augmenter ou il euh, n'y a que 10 places donc euh, prenez vite. Voilà. Et puis, jouez sur le côté. Euh, 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 Communiquer de manière groupée, par exemple sur les réseaux sociaux, mais de manière individualisée. Ok, vous dites pas juste je vais communiquer sur les réseaux sociaux, ça va remplir. Non, en un à un, contactez les gens et je vais vous expliquer un peu plus précisément comment le faire. Euh, et une même personne qui, vous, qui a vu votre offre et qui a par exemple liké sur votre publication, eh ben vous la contactez en individuel. Ok, vous dites pas oui c'est bon, elle a vu mon offre elle aura euh, l'intelligence pour euh, prendre euh, l'offre. Non, en fait, quelquefois, les gens ont besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de coude, de voir que vous avez envie qu'ils viennent. Okay Ce n'est pas une histoire d'intelligence et d'envie. Quelquefois, c'est plus une histoire d'envie, justement. Vous n'êtes pas votre meilleur client. Quand vous avez créé votre euh, atelier, euh, j'ai envie de vous dire, idéalement, si vous faites quelque chose en présentiel, testez le concept d'abord en ligne parce que ça va vous donner confiance et ça va vous aider à voir si la thématique est pertinente en prenant un minimum de risque. Et n'oubliez pas de vendre ce que les gens veulent et donner ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que si vous voulez, euh, par exemple, faire un atelier sur la communication non violente euh, pour les euh, hommes, Pff, je vais vous dire un truc, euh, malheureusement, hein, ou pas, il euh, y a peu d'hommes qui vont s'inscrire. Déjà, ils ne savent pas ce que c'est que la communication non violente, ils vont faire des recherches, ils ne vont pas acheter. Pourtant, ils en ont besoin. Autant que les femmes voire plus, on verra quoi. Non, c'est pareil. Donc, va falloir les appâter avec autre chose. C'est euh, euh, comment rendre votre épouse heureuse, comment euh, être heureux dans le couple, comment faire durer son couple, euh, des choses comme ça. Mais quand ils sont là avec vous, vous allez leur parler de CNV et de communication non violente et de tous les outils que vous avez à votre disposition. Mais ne n'essayez pas de leur vendre ce dont ils ont besoin. Ça va pas leur donner envie d'acheter. Donc le problème c'est que si vous vendez comme si vous parlez à vous-même, bah vous allez parler avec des mots savants et vous avez comme vous avez un niveau de conscience plus avancé que la moyenne de, des gens qui vous suivent, bah vous allez euh, juste dire ah oh non t'as pas besoin de ça ça ah oh non mais ça c'est juste tactique hein. tout se passe dans le mindset et tout. ils vont être en mode bah non euh, laisse-moi tranquille euh, j'ai pas envie de travailler mon mindset j'ai pas de problème de mindset je viens pas à ton atelier. Ok? Pourtant si venez à votre atelier parce que vous leur dites, voilà, grâce à cet atelier, vous allez euh, repartir avec des recettes pour vous faire perdre 5 kilos en 3 semaines, euh, ben après, vous allez pouvoir leur parler de mindset. Et ils vont être convaincus du mindset. Okay. Mais ne leur vendez pas du rêve non plus. Hein. Euh, voilà. Soyez vous-même, soyez vous-même. Dans votre contenu, n'essayez pas de juste recopier ce que vous avez vu ailleurs. Et, et je sais que beaucoup de coachs n'ont pas l'intention de plager, mais il y a cette intention de... Oh, mais euh, ce livre, il est génial, donc euh, euh, je vais rester euh, aligné avec cet auteur et je ne vais pas euh, sortir du truc parce qu'il euh, bah, est génial, c'est une experte, moi je ne suis pas du tout un expert, je vais juste euh, reformuler les choses. Mais je... Non, en fait, autorisez-vous à retravailler le contenu, à vous dire, voilà, je vais vous mettre la bibliographie, je me suis inspiré de tel, 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 tel livre, mais euh, je vais vous parler de ma méthode, en fait. N'oubliez pas de mettre votre personnalité, parce que ça ne va pas donner envie aux gens de travailler avec vous si vous êtes juste une machine. Hein. Sinon, demain, on, on en, quand on met une intelligence artificielle, on met une machine et puis euh, on délivre, on regurgite euh, tout ce que vous avez appris et puis c'est terminé. Non, en fait, les gens ont besoin de votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un de drôle, mettez un peu d'humour. Si vous êtes quelqu'un de doux, mettez de la douceur. Si vous êtes quelqu'un euh, qui, euh, bah, justement, on va rentrer dans la méthode d'animation. Euh, bah, si vous aimez les dessins, si vous aimez la musique, voilà, autorisez-vous. Moi, je fais des zooms avec les clients. Euh, je mets de la musique presque avant chaque euh, session, à la fin, au milieu, parce que j'aime bien la musique. Je trouve que c'est motivant et j'ai vu personne ne le faire et je m'autorise à le faire. Donc, euh, autorisez-vous à faire ce que euh, ce qui vous plaît. Et voilà, dans cette même idée, bah, utilisez votre style. C'est ouais, vraiment la, la, la même chose que ce que j'ai dit là. Faites un appel à action. N'oubliez pas que votre objectif principal, ce n'est pas votre produit d'appel. Parce que là, je pars du principe que vous faites un produit d'appel. Vous n'allez rien gagner à vendre des places à 17 euros. Donc, offrez des sessions de coaching dans le but d'offrir de, une deuxième session pour peut-être vendre votre coaching et euh, éventuellement présenter les grandes lignes et les bénéfices de votre programme. Mais surtout, ne restez pas euh, en superficie et en mode trop timide. « Ah, oh, c'est terminé, voilà, je ne vais pas les déranger, je ne veux pas les prendre. » Non, en fait, vous ne servez pas vos clients en leur faisant croire qu'à la fin de votre atelier, ça y est, ils ont tout compris et euh, un monde merveilleux s'ouvre à, à eux dorénavant. C'est un peu vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Ce qui va faire la différence, c'est la régularité euh, et le soutien et… Le, le, la, la persévérance dans euh, ce qu'ils vont mettre en place. Et pour ça, ils ont peut-être besoin de votre coaching, de votre accompagnement. Donc, ne soyez pas timide, d'une manière ou d'une autre, proposez votre offre. Et puis, bravo, bravo, euh, tirez les bénéfices indirects de cet événement, hein, si vous avez fait cet événement. Ça peut être euh, des supports de communication via des photos de vous ou des captures vidéo de vous que vous pourrez utiliser par ailleurs. Euh, ça va vous donner confiance en soi, ça va vous aider à... Euh, bah dans la même idée, hein. ça va augmenter votre propre perception de votre valeur, vous allez peut-être faire des témoignages clients que vous pourrez réutiliser, bref, il euh, y a énormément de bénéfices. Tout ça pour maintenant vous amener au comment, mais euh, en fait, sans vous expliquer ça, le comment, il n'aurait pas marché. Donc le comment, tout d'abord la newsletter, si vous en avez une, c'est indispensable. Pendant deux semaines, parlez que de ça pendant limite tous les jours. On est en période post-COVID. C'est de plus en plus dur pour les gens de venir à des événements. S'ils voient en vous un, un fléchissement, un manque de motivation ou un manque d'engagement total, eh ben ils vont pas communiquer. C'est là où c'est dommage, c'est que vous vous êtes en mode oh je vais pas les déranger tous les jours. Eux ce qu'ils comprennent c'est bah son événement il est pas si important que ça, c'est pas si grave que ça, il euh, y a peut-être plus de place. Voilà, il y a il y a, y, a, y, a, y a un malentendu énorme. Donc si vous ne communiquez pas de manière intensive, la personne va juste dire ⁇ Oh, ce bah, c'est pas un événement suffisamment important, donc j'y vais pas euh, ⁇ Pensez aux campagnes de pub, hein, quand Apple sort leur nouveau téléphone pendant des mois, les deux, trois premiers mois, on voit des iPhones partout, partout, parce qu'ils croient à fond en leur produit, hein, qu'ils qu aient raison ou pas. Ils parlent de ça partout. Ils inondent le web et euh, les stations de métro avec leur publicité parce qu'ils y croient à fond. Donc si vous, le, le jour où vous allez voir iPhone faire que quelques pubs, vous allez vous dire, ah, il y a un Roche, leurs produits, ils y croient plus trop parce que peut-être qu'ils sont moins bons. Vous voyez ce que je veux dire Alors, sur les médias sociaux maintenant, utilisez la fonction événement. Hein, vous pouvez faire ça sur euh, LinkedIn euh, et Facebook. LinkedIn, je ne suis plus trop sûr. Euh, Facebook, c'est sûr. Euh, LinkedIn je crois parce que je l'ai peut-être fait une ou deux fois mais je vous laisse regarder en tout cas euh, de toute façon les plateformes elles évoluent sur les publications euh, faites des photos et des vidéos vraiment face caméra vous voulez que les gens viennent vous voir et qu'ils viennent euh, euh, suivre votre atelier ben pourquoi vous aurez peur de montrer votre tête parce que c'est ce qu'ils vont avoir pendant des heures et des heures donc allez-y 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 et si vous êtes dans des groupes bah, voyez comment vous pouvez en parler de manière intelligente on va dire et de manière adéquate Là où j'aimerais vraiment vous challenger, c'est là où euh, beaucoup euh, tombent dans ce piège de parce que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a vu et que de toute façon, je n'ai pas de temps à perdre à contacter les gens un à un. Bah, dans ce cas, faites pas d'événement parce que je vais vous dire un truc qu'il va falloir contacter en un à un. Okay Moi-même, je suis parfois prospecté par des gens qui sont avancés qui ont une certaine audience et ils vont quand même me contacter en 1 à 1 pour que je vienne à leur événement. Donc WhatsApp, Messenger, Instagram, LinkedIn en privé en 1 à 1, euh, c'est votre devoir si votre atelier est si bon que ça, c'est votre devoir d'en parler. Et puis des partenaires, si vous avez par exemple un intervenant externe, hein, je ne vous recommande pas de faire ça pour un premier événement, euh, ben, lui demander de communiquer dessus. Et puis euh, quelques autres idées secondaires, pour vous, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pouvais vous apporter de plus bah, La publicité, mais uniquement en retargeting si vous avez déjà une audience tiède ou chaude. Euh, mais c'est pas le moment d'apprendre à faire de la pub car ce serait bien trop chronophage et inefficace. Si vous n'avez pas compris cette phrase, c'est, je vais vous dire un truc, c'est que ce n'est pas pour vous encore, pour la pub, euh, la publicité. Donc euh, voilà, j'espère euh, ne pas heurter euh, votre égo en vous disant ça. Et puis, Meetup, euh, pareil, uniquement si vous avez le temps de créer une communauté en amont ou que vous avez deux mois devant vous pour le faire. Euh, donc, c'est une plateforme qui peut vous apporter du trafic. C'est assez secondaire comme tactique, mais euh, je voulais quand même vous le proposer en fonction de votre euh, profil. J'espère que cette vidéo vous a... J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Euh, du coup, vous le savez, je fais des vidéos de plus en plus longues et de plus en plus travaillées en ce moment. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à m'encourager like, en mettant un like, en mettant des commentaires, en suggérant aussi s'il y a d'autres vidéos que vous voulez voir, ce sera avec grand, grand plaisir. Et puis pour terminer, évidemment, euh, je ne peux que vous encourager vivement à vous inscrire à la masterclass euh, via le lien en dessous où je vais vous présenter les quatre piliers pour développer son activité de coach. Et on va rentrer dans des choses plus subtiles c'est pas juste faire des publications etc etc il y a une partie mindset et si vous ne maîtrisez pas ça avec les meilleurs conseils au monde vous n'allez pas réussir si aujourd'hui vous n'atteignez pas les résultats que vous espérez c'est pas juste parce que vous, il vous manque des conseils très probablement qu'une grande partie de ce que je vous ai dit là c'est pas nouveau mais ça se passe dans la tête donc si ça vous intéresse lien en dessous vous allez voir c'est une, une masterclass passionnante en tout cas, en tout cas que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et je vous invite vivement à vous y inscrire, vous allez peut-être y découvrir un cadeau aussi. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était avec grand plaisir que je vous ai présenté ça. Et puis, bah, tenez-nous au courant via les commentaires si jamais vous lancez votre événement. Ciao, ciao.